Un lac sinueux qui arrive du couchant, qui sait d'où, derrière un promontoire escarpé, et se projette au levant, qui sait où, derrière une humble pointe. Tout autour, de grandes montagnes plongent leurs racines dans les eaux vertes et les enserrent de tous côtés et y reflètent leur majesté déserte. Une timide légion de villages, en partie tapis dans l'ombre d'une vallée, en partie cachés au soleil parmi les vignes et les oliviers, prêts, semble-t-il, à disparaître au premier bruit inhabituel. Si vous en cherchiez le nom et l'emplacement dans un atlas, vous trouveriez affirmé qu'il se trouve sur la frontière de l'Italie face à la Suisse. Ce texte est l'introduction d'un recueil de poésie dédié à la Valsolda par l'un des plus importants romanciers italiens de la fin du XIXe siècle, Antonio Fogazzaro. C'est précisément dans la vallée natale de sa mère, Oria, qu'il a situé son chef-d'œuvre, le roman Piccolo Mondo Antico. L'écrivain est toujours resté très attaché à la Valsolda, captivé par le charme léger et discret de cette terre de montagne qui émerge des eaux du lac de Lugano. Dasio est un charmant village, tout en ruelles et en escaliers. À chaque coin de rue, un porche, une loggia, une galerie, que notre imagination a vite fait de peupler de personnages d'histoires d'un autre temps. De par sa position, comme la pointe du compas qui a dessiné la Valsolda, Dasio est le point de départ idéal pour parcourir les sentiers qui sillonnent ces montagnes. Le Sas di Monte est une étape indispensable, comme la proue d'un navire de pierre qui fut, il y a 30 ans, le théâtre d'un tragique accident d'avion. Aujourd'hui encore, au pied de la haute paroi contre laquelle l'avion s'est écrasé, remontent de tristes souvenirs. Laissons derrière nous les fantômes, car une forte pente nous conduit rapidement sur la crête, d'où le regard qui se porte au loin nous fait oublier les sombres atmosphères que nous venons de vivre. Une promenade tranquille le long du sentier sinueux qui court entre rochers et pentes herbeuses nous conduit bien vite à la cime panoramique où s'ouvre un spectacle d'une grande ampleur, riche de lumière. Les paysages des pentes des alpages dominés par les cimes di Noga alternent avec de rares passages dans des bois de conifères et des éperons rocheux. Ils offrent, grâce aussi à la variété des reliefs, des points de vue toujours renouvelés sur le lac et les montagnes avoisinantes. En tournant derrière les barres rocheuses des cimes di Noga, on passe la crête et par un bois de hêtre, on descend jusqu'au torrent Bizzo, juste avant qu'il ne se précipite par une cascade dans la Val Galline. On arrive ainsi à l'Alpe Nores,
qui, comme bien des alpages de la Valsolda, a été réaménagé en abri pour les excursionnistes et offre un local avec une cheminée et une table. La montée reprend par une étroite vallée boisée et, en une demi-heure, on arrive au col de Piancabel, à la frontière avec la vallée suisse de Valcol. En suivant le marquage, on parcourt la crête et on arrive enfin à la Cima di Fiorina, le plus haut sommet de la Valsolda. Le majestueux Torrione di Fiorina est tout proche, et avec quelques pas d'escalade facile, on en gagne le sommet depuis lequel, malgré une altitude modérée, on a l'impression d'être vraiment haut. C'est un sommet mineur, certes, mais la Valsolda est tout entière une miniature, ciselée avec goût et harmonie. Il y suffit de quelques heures de marche pour découvrir combien la beauté propose sa dimension la plus intime et combien sa fragilité lui donne de la valeur. La fragilité de ce que nous sommes et de ce que nous possédons. Une rapide descente conduit à l'Alpe Mappel, qui nous accueille avec une table, une fontaine et un banc romantique. C'est d'ici, si on y arrive au bon moment, qu'on peut profiter au mieux des lumières d'un coucher de soleil derrière les ombres des montagnes, où le soleil, ayant percé les nuages, inonde et embrase le couloir de lumière qui court sur le lac froid, lisse comme de l'huile. Beaucoup des cimes de la Valsolda offrent de généreux panoramas sur le lac. Au Monte dei Pizzoni, on peut de plus s'y refléter. Les écailles de Dolomie qui recouvrent le versant le plus exposé au regard semblent avoir été dérobées à ses plus nobles sœurs des Alpes orientales. Les jours sans vent, elles se reflètent dans le lac, retournées et liquides. Le chemin qui mène à cette montagne part des ruelles pavées des cailloux ronds du lac du village de Drano. C'est un sentier raide qui grimpe le long de la crête ouest et qui propose de nombreuses ouvertures révélant peu à peu le panorama qui nous attend au sommet. Le parcours n'est jamais simple ni monotone. Il sinue entre des escarpements et des contournements tortueux jusqu'à une brèche caractéristique où il faut s'aider des mains. La brèche a besoin de sentir, de comprendre qui lui demande le passage. Bienveillante, elle concède à presque tous le droit de continuer. Ce n'est pas un gendarme sévère, mais plutôt une nymphe des bois curieuse, heureuse de connaître ceux qui souhaitent visiter son règne. La cime du Monte dei Pizzoni est comme une lame de pierre, la vague rocheuse de tempêtes d'autres mondes, poussée ici en déserts anciennes. La pierre et l'eau, la matière solide et liquide, le perpétuel équilibre entre les opposés, qui soutient le monde et qui nous soutient aussi, nous qui avons déformé ce monde, qui avons considéré que ce que nous possédons est éternel et qui ignorons aujourd'hui la valeur inestimable d'une simple gorgée d'eau.